Alaska Festival. Je regarde exactement quelle heure il est, 22h30 minutes. On n'est pas trop mal sur le timing horaire. C'est Gaël Faye à l'instant qui s'est monté sur scène. Pendant que nous accueillons une bien brave équipe, j'ai plus tous les noms en tête. Alors je sais qu'il y a PNG, Black Tea, voilà, Yes, Seb. Et DJ Seb. Alors je sais, on va commencer dans leur présentation. Black Tea. Black Tea. DJ Seb. DJ Seb. Et puis c'est nous trois. Voilà, ça c'est les trois. Comme ça, on a tout le monde sur le plateau et ça fait plaisir. Donc bonsoir les gars, vous allez bien? Bonsoir, ça va. Ça va la faute. Alors comme on dit, là, il y a deux secondes en off, là, vous jouez à 1h sur la scène tropicale. C'est ça, la scène rebelle. La scène rebelle, exactement. C'est votre première fois, c'est ça, tout ça? Oui, c'est première fois. Ouais. Comment vous êtes arrivé sur la programmation de Solista? On a un jeu. Comment vous avez eu cette idée qui vous a proposé de venir ici? Alors, nous à la Réunion, on est avec le sac qu'il faut. Ouais, c'est pas le sac qu'il faut. Et du coup, c'est par rapport au sac qu'il faut que. Oui, c'est une grande histoire. Voilà. Le sac qu'il faut et le Solista, ils se connaissent très bien. Donc, monsieur Lachaise, il nous a invité au Solista. On est venu avec plaisir. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut vous considérer tous comme la nouvelle génération à la Réunion? Vous êtes quand même. Oui, on peut dire ça comme ça. On n'est pas la nouvelle génération. Vous marchez dans les traces de qui, concrètement, à la Réunion? Et quels sont vos grands frères là-bas? Ben, les grands, c'est Kafalwa. Ensuite, il y a les gros comme. Gérard, il y a Mélan, Malkija. Ça, c'est les. Ouais, les grands, ouais. Ça, c'est aussi c'est ce qui vous a donné envie de vous mettre justement dans le musée. Vous arrivez de la région différente de la Réunion? Oui, moi je viens de la capitale, Saint-Denis. Saint-Denis. La ville du port. Ouais. Et bien la ville de Saint-Louis. Nous c'est dans le sud. D'accord. Saint-Louis, c'est ça? Saint-Louis. Ah, Saint-Louis. C'est pas loin de Saint-Louis. Oui, c'est de ce genre, Saint-Louis. C'est ça, Saint-Louis. C'est ça. Ouais. Comment vous êtes rencontrés tous? La musique. Tout simplement. Tout simplement, ouais. Grâce à la musique. C'est petit, donc voilà. Donc, tour. Quand il y a quelqu'un qui pose avec un mic dans une petite maison, et que quelqu'un d'autre passe, qui dit ah, j'ai entendu quelque chose qui se passe là, peut-être. Alors, et vous, comment vous êtes construit? Parce qu'on va. Là, c'est DJ Seb, qui, donc on a deux mondes à part, là, vous êtes un trio. Vous êtes rencontrés comment? Parce que là, vous avez parti tous les trois? Ouais. Nous, on vient de la Palissade, ouais. C'est-à-dire à Saint-Louis. Et ça fait depuis. On avait 8 ans, on était déjà potes en fait. Ouais. Et après, c'était pas vraiment la priorité la musique, parce que juste avant ça, comme on dit, on était un groupe d'amis. Et après, la musique s'est venue au collège. Et du coup, c'est là qu'on a décidé de créer un groupe. Et voilà, on a essayé de faire quelque chose. Et dans la. Alors musicalement parlant, est-ce que vous êtes musicien? Est-ce que vous êtes plus en mode MAO, plus moderne, faire des mix sur ordinateur, etc.? Alors nous on est auteur et interprète, lui c'est le compositeur. C'est lui qui... C'est le magicien. D'accord, alors bon, la question se tourne à toi du coup. Tu composes comment? Plus sur MAO? MAO, ouais. Essentiellement? Essentiellement, MAO, ouais. Pas du tout d'instrument de musique Non. Non? Et pas envie de s'y mettre un petit peu, parce que pour accompagner la MAO, ça peut être... Non, en fait... Moi j'aime beaucoup le côté électronique, tu vois. Ouais. Donc ouais, beaucoup d'MAO, très peu d'acoustique. D'accord. Seb, si je dis pas de bêtises, du coup t'as commencé avec le collectif Nord, c'était des amis à toi, NORD. Oui, NORD, oui, yes. Bien sûr. Oui. Avec Nosta, Olien, William et Delta, c'était des choix à toi. C'est ça, c'est et puis tu les as rencontrés en descendant en fait, de Saint-Denis. C'est ça. Les bas. Les Saint-Denis, ouais. En fait, nous on vient du quartier du Chaudron. On s'est rencontrés là, c'est là qu'on a commencé à faire les sons de système, tout ça. Donc voilà, on a baigné dedans depuis tout petit. Il y a mis production à fond, vous avez fait des tas de trucs. Exactement. Vous avez monté un label qui s'appelle label Mafia Endémique. Mafia Endémique. Et ça cartonne. Genre ça cartonne de fou en fait. Hein. Vous êtes à plus de 10 millions de vues sur des titres, vous êtes à 4 millions sur d'autres. Ça, on essaye. Ouais. Comment vous expliquez du coup cette espèce de vague qui a tout poussé les murs là un peu? Parce que nous même on sait pas. En fait c'est inexplicable parce que nous même on s'attendait pas à ça. C'est
Donc quand on a fait le son en studio, en fait, on a kiffé, on a fait ce qu'on aime. Et ça a pris, ça a plu aux gens. Bon, voilà, quand c'était pas calculé, on s'attendait pas à un tel succès. En fait, on a fait ce qu'on aime, quoi. Et pour rebondir sur cette question, tu penses que c'est plus la vibe musicale, le tempo musical, l'identité musicale que vous avez créée qui a fait les gens vous aimer, ou c'est plus la vibe générale du groupe que vous émettez quand vous êtes ensemble? Je pense que c'est le concept qui a plu aux gens. Ouais. En fait, on a fait un concept qui s'appelle la romance, tu vois, et c'est basé sur la positivité, la joie de vivre, tout ce qui est positif, good vibe, quoi. Essentiellement, c'est de l'ambiance aussi, et du coup, voilà, il y a beaucoup d'ambiance. Et du coup, voilà, quoi, c'est cool. Je sais pas lequel de vous a dit, j'ai entendu une citation qui disait, genre, oui, quand on fait de la musique, si on sait qu'on s'amuse, nous, ouais, c'est bon, c'est toi. Yes. Et du coup, bah, c'est un peu ça, le fond, ta musique, elle est beaucoup active. Ouais. Si ça pose pas, bah... Enfin, le son, en fait, quand t'es en studio, si tu t'abuses, les gens ils vont comprendre que ça a dans le son. Enfin, ça se ressent. Et si tu t'abuses pas, ben... C'est là, ça prend pas. Ça va avoir des pistes. Et du coup, la formation, c'est comme ça tout le temps, c'est-à-dire que vous tournez tout le temps tous ensemble pour représenter en fait le label à chaque fois que vous faites ça. Après, chacun a sa carrière solo, on va dire. Mais généralement, ouais, le collectif est ensemble. Ok, cool. Et quelle date c'est pour l'actualité, du coup, la suite après le Sunscar pour vous tous? Ben là, on a plusieurs dates là ensuite. On joue à Marseille, à Paris, à Lyon. Ensuite, on rentre à la Réunion. On aura des dates de partout, à l'île Maurice. Et bientôt, je vais faire une nouvelle vidéo de vie, Tahiti. Après, souvent aussi, je fais la Colombie, je vais à Bogota faire des festivals, le Jamming Festival, je ne sais pas si tu connais, c'est un festival de reggae aussi là-bas. Et voilà, on fait un peu le tour, enfin. Et du coup, c'est fou, c'est quand même aussi de s'exporter en Colombie, c'est quand même un truc de... C'est vraiment fou. En fait, en Colombie, moi, j'étais jamais allé. En fait, la Colombie est beaucoup meilleure. Et j'ai vu qu'ils aiment beaucoup le reggae d'un sol francophone, surtout ceux qui viennent des îles, les Nachibouris, etc. C'est des stars, là. C'est un star, là. Question qui va peut-être paraître un petit peu bizarre, mais vous aviez déjà quitté la Réunion pour venir en métropole, oui. Pour certains, ouais. Oui, tous. Donc, tout pour la musique, c'est la musique. Merci. On a commencé en 2018. Et un peu avant, ça fait le longtemps qu'il est venu. 15 ans. Ouais. Et vous vous souvenez de votre premier voyage vers la métropole? Les sensations que vous avez eues en arrivant dans la métropole? Parce que moi, je me souviens des sensations que j'ai eues quand je suis arrivé à la Réunion. Ouais. J'aimerais avoir votre point de vue à vous, quelles sensations vous avez quand vous arrivez en métropole? Mais arriver en métropole quand tu viens pour chanter, c'est pas arriver en métropole comme ça, tu vois. Déjà, il y a l'appréhension de bon, là, la première fois que je suis venu, c'est pour chanter pour les Réunionnais aussi, pour être Réunionnaise. Je me dis, bon, là, je suis venu pour quoi? Ça va être chaud, ça va être chaud. Mais quand tu arrives, tu vois que, en fait, les Réunionnais ici, ben, la vibe vraiment, ça manque, ben. Ça te donne envie de revenir à chaque fois, tu vois. Ça fait chaud au cœur, du coup. PLL, pour vous, les premières sensations en métropole? Ouais, ça fait chaud. Mais c'était pareil, hein. Quand tu vois les Réunionnais, ils s'amusent, ils viennent te parler, ils disent que ça fait très longtemps qu'ils ne sont pas écoutés, s'amuser comme ça, ben nous, ça fait plaisir, en fait. La phrase qui revient souvent et qui fait souvent plaisir, c'est « Zola ramène la chaleur ici ». Donc là, c'est sérieux. Phrase là, c'est fou, pas. C'est parti. Et pour toi, c'est Pour moi, déjà, c'est une consécration de jouer en métropole. Parce que, tu sais, on vient du Nil, c'est perdu au milieu de l'océan Indien. Venir en métropole, déjà, prendre l'avion, sortir de ton île, pour jouer ta musique ailleurs que dans le pays,
Mais c'est grandiose pour nous. Comme ce soir, être là au Sunska, c'est des trucs qu'on n'aurait jamais imaginé. Tu vois, comment ça fait la musique et tout. En plus, tu sais, nous, on fait la musique très simplement. Moi, on n'a pas de gros studio. Chez moi, il y a un home studio. On a pris une chambre, on a mis des enceintes et voilà quoi. Donc, arriver à ce stade-là, c'est une concentration, c'est énorme. Avant d'éventuellement faire tourner le micro à l'Assemblée, si il y a des questions, une dernière question d'ordre plutôt social. Comment va la jeunesse? Est-ce qu'on sait que, par exemple, Guadeloupe, Martinique, en ce moment, les jeunes sont dans un mood différent, type de rebelles, attitudes, etc. La Réunion, comment ça se passe en ce moment? Pour la jeunesse, c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué, surtout qu'on a un fléau, ben, comme tous les îles. Hein. Les jeunes sont beaucoup obligés de partir, de quitter l'île, surtout pour les études, surtout pour travailler. Beaucoup sont obligés de quitter l'île. Moi, je trouve ça que c'est un peu injuste quand même de devoir quitter l'endroit où on a grandi pour pouvoir travailler, pour pouvoir manger. Après, je pense que c'est un fléau qui touche à peu près toutes les îles. Ouais. C'est vraiment, vraiment dur. Et d'ailleurs, moi je suis un peu plus âgé qu'eux. Ça me fait quand même plaisir de voir qu'il y a des jeunes qui ont encore envie de s'en sortir. Voilà, qui s'en sortent, qui ne sont pas dans la drogue, etc. Parce qu'il faut savoir qu'à la Réunion, il y a un énorme taux de chômage, etc. Et ça impacte notre jeunesse. C'est un fléau. Il y a aussi la vie chère, etc. C'est pas facile. Et l'importation des trucs, c'est incroyable. Alors on va passer aux questions, parce qu'on a des gens ou l'audience qui vont poser des questions. Peut-être aussi. Parce que là, en fait, on a un frère qui fait du roulis, ceci. Vous êtes avec ce soir. On a manqué tout à l'heure le regard du frère. J'ai eu un peu chaud avec lui. Rapidement, maintenant. On va juste après. Ils vont venir après. Première question, Kika, t'es en fait. Allez, Kika qui va commencer la première question. Bonjour, Alassane. Bonjour. Je m'appelle Kika. Enchanté. Alors, j'ai quelques questions, si tu veux. Je vais revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure par rapport à la gommance. Qui a eu l'idée de l'appeler comme ça? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est toi, Mathieu? C'est pas que moi. En fait, C'est que lui? Non, c'est Mathieu. C'est déjà. En fait, on était un groupe de trois potes. On avait une façon de parler. On s'accorde. En soirée, et chaque fois que je venais voir, c'est 50. Et c'est devenu la commence. Avec les jeunes. Et c'est pas nous qui nous avons la commence. Ça existait déjà en fait dans la jeunesse réunionnaise. En fait, c'est une expression qui veut dire que c'est bien, c'est lourd. Enfin, c'est moi. Moi j'avoue, j'ai abusé un peu de ça. Ça gomme. Même la gomme de l'île, il a plus de ça. Voilà, la gomme de l'île. Ok, merci. Comment vous êtes venu? Bon, en fait, on a vu que dans le confinement, déjà il n'y avait rien à faire. Et ben, tout le monde était sur TikTok, donc ben, voilà qu'on a suivi le mouvement. Et ça cartonne, vous avez bien fait. Ouais, c'est incroyable, TikTok, c'est tout le monde là-dessus. C'est le nouveau réseau social émergent, on va dire. Les jeunes encore plus jeunes que les. Ouais, c'est ça. Et je pense que c'est surtout grâce au confinement, tout ça, les gens se sont focalisés là-dessus. Ça a pris une grosse ampleur. On a suivi. Et donc, pour enchaîner par rapport à l'ampleur que ça prend, vous parliez tout à l'heure avec Général D de la vie chère sur l'île de la Réunion. C'est pas évident d'être insulaire. Est-ce que vous êtes en terminant le spectacle? Est-ce que vous travaillez à côté pour un travail alimentaire? Est-ce que TikTok vous rapporte de l'argent? Comment ça se passe? Alors, moi, je suis à 100% dans la musique. Voilà, donc moi j'ai ma société. Il faut savoir que je produis les sons, etc.
Après, j'ai mon métier de DJ, j'ai le studio, etc. Après, eux, ils sont intermittents. Et ben après, pour un artiste, c'est un peu plus complexe de vivre la musique en tant que chanteur. Et après, en tant que DJ, il faut que je te dise, on peut vivre de la musique, mais après, il faut bosser. Il faut savoir gérer. Ouais, il faut savoir gérer. Il faut bosser tout simplement. Après. Il n'y a pas de secret. Bien sûr. On n'a rien sans rien. On n'a rien sans rien. C'est vrai. Est-ce qu'on a d'autres questions? Est-ce que quelqu'un a une question? Pour les frérots PNL, Mati, DJ Serge, Nicht, Nein. On va passer du point qu'il a dit. Merci. Bah, c'est la dernière. Par rapport au public, par rapport à ce que vous faites comme musique, quelle sensation vous traverse? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez le public comme ça, complètement réceptif à ce que vous faites et quand ils bougent comme ça, parce que moi je vois au camping aussi, les gens ils ont hâte de vous voir alors que vous venez de très très loin et ça arrive aussi donc par les réseaux, mais c'est de la fierté, c'est de la reconnaissance, c'est quoi exactement? C'est surtout la stupéfaction, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, nous on fait ça au studio sans vraiment d'attendre en retour. Mmh. On fait ce qu'on aime. C'est du jour de soir. Et du coup, voir que ça prend, ouais. Parfois c'est étonnant, mais ça fait énormément plaisir de voir que nos délires, nos inspirations plaisent aux gens aussi. Ouais, parce qu'il n'y a aucun calcul pour ce qu'ils font. Rien de calcul. Mais quand DJ Sam fait le son, par exemple, ouais. Que Black Tea ou vous allez faire les paroles, il y a toute une connexion qui se fait, il y a toute une symbiose qui se produit. C'est naturel. C'est naturel. Il n'y a rien de réfléchi. Non. Déjà, donc tu peux lui amener des paroles. Non. Et déjà, il faut faire un rythme. Un moment à l'avance. On écrit souvent sur le coup de l'instru. Ah, jamais. On fait la main à l'avance. Donc d'abord une instru et voilà, c'est souvent ça. Super. Après, on se pose pour savoir de quoi on veut parler. Mm-hmm. Et on s'installe la vie tous les jours et ça va naturellement. Ouais, ça va naturellement. Merci beaucoup. Merci, merci à vous. On a hâte de bouger sur votre musique tout à l'heure. Oui, aux alentours d'une heure du matin sur la scène. On revient. La suite, mon général. Oui, puisque là, on a toujours quelques failles sur la scène municipale. On va encore se poser une question de pour terminer cette aventure avec nos amis ici présents au Sunset Festival et en direct sur Radio.fr. Qu'est-ce qui vous attend dans les prochains jours? Vous avez dit des dates, mais est-ce que vous avez déjà commencé à réfléchir à des fabrications musicales, des petits projets musicaux entre vous? En fait, le truc, c'est qu'on a énormément de sons, surtout la PNL, le plat. On a énormément de sons en banque. Un peu le truc, à chaque fois, c'est trouver le concept pour ressortir les sons. En fait, on aime bien avoir des concepts innovants pour ressortir les sons, mais pas juste mettre sur les plateformes et sur YouTube, etc. Avoir tout un concept pour faire sortir les sons. Ouais. Non, mais c'est vrai que revenir avec un concept différent à chaque fois permet de dire aussi, tiens, les gars savent travailler, les gars évoluent. Exactement ça, c'est ça. Je suis aussi laissé faire là, parce qu'il y a énormément d'artistes à l'île de la Réunion. Il faut toujours innover, faire la différence, réfléchir, vraiment réfléchir. Et alors, imaginons que vous êtes en pleine réflexion justement pour un futur projet. Est-ce que vous avez pu rechercher un nouveau style musical, un nouveau flow lyrical pour mettre ce projet en place? Vous avez statué sur quoi en premier? Un tout? Moi, personnellement, au niveau de la compo, etc. Il y aura toujours une recherche sur les influences musicales. En ce moment, on fait des tournées, etc. On entend beaucoup de sonorités africaines, la mafiado, etc. Donc on essaie de faire beaucoup de mélanges. On a un peu notre image, on mélange un peu de sol, la mafiado, on fait beaucoup de mélanges. Donc à chaque fois, on essaie d'innover dans les styles musicaux et dans les concepts. Ce qui est mieux dans les voyages, dans les festivals comme ça, c'est que là, on découvre, on entend des nouveaux sonorités, parce que
nous inspire un peu plus. Ça nous inspire aussi. Ça fait des connexions avec plein d'autres artistes. Exactement. D'ailleurs, il y avait pas mal de featuring sur les projets précédents. Il y avait un truc avec Quinta Musique. Voilà. Est-ce que vous avez vos projets de faire peut-être avec d'autres artistes réunionnais, des choses comme ça, ou ça peut se développer à l'avenir, quoi? Avec les artistes réunionnais, peut-être pas, mais avec des artistes. Ben après les artistes réglés. En fait avec les featuring entre artistes réglés, pour moi il n'y a pas de plus-value on va dire. Tu vois, il n'y a pas de partage de vibes. Parce que les artistes réglés, ils sont souvent dans la même vibe, tu vois. Mais par exemple, moi je vais bien échanger avec les artistes mauriciens. C'est l'île qui est juste à côté, mais c'est des vibes totalement différentes. C'est bien d'autres vibes. Ouais, voilà, ça peut être. Donc, moi j'ai plus faire des cultures aussi, ça apporte quelque chose. Ça apporte quelque chose, mais ça peut donner un mélange. Il y a eu une chose avant la caillou qui était là tout à l'heure, parce que Prophétie, vous avez bien entendu il y a pas longtemps. Ça, c'était quoi ça? C'était des boss, et on était super contents de les recevoir. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette musique mauricienne qui arrive à porter sa voix maintenant partout? La musique mauricienne, ça fait aussi partie de la culture aussi, tout ça. C'est pour des voisins. C'est ça, les Maurice, voilà, les réunis qui font ce que font les Maurice. Il y a la nouvelle génération avec le bon bateau. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que les Mauriciens, ils sont très, très, très loin musicalement comparé à la Réunion. C'est Willy William qui a fait un tube interplanétaire avec Beyoncé, etc. C'est un Mauricien. Didi Assad, tout ça, c'est des Mauriciens. Ils sont vraiment un top level des professionnels, c'est énorme. C'est déjà bien implanté pour les voilà. Après, comparé à la Réunion est très francophone, eux ils sont très internationaux. Et anglophone aussi. Oui, voilà, exactement. Est-ce que des projets en anglais, en gros, voilà. J'ai un peu à lire. En anglais, pas vraiment, parce que pour moi c'est très important de garder notre langue, surtout notre créole. Et parce que c'est ça qui fait notre identité. Moi j'ai toujours dit, mon but c'est d'être comme Kassab, etc. Tu vois, Kassab, ils ont fait des sons en créole, et des sons nationaux, quoi, internationaux, et c'est en créole. C'est garder l'identité, surtout, c'est ça qui est très important. C'est tout quand on voit les anciens, c'est possible de faire des classiques, des gros tubes avec le propre langue, Alex Kassab, avec Poker Rico et Magistère, Théorie numéro 1. Et c'était vraiment. Je pense que c'est plus les flots qui les attirent, parce que nous, on écoute des sons qu'on comprend pas. Par exemple, on doit comprendre tout, mais c'est les flots, c'est l'instru, c'est tout ça, c'est un tour en fait. Excellent. Donc, je vous remercie, Oui, désolé, on est obligé de rouvrir en tête. Un grand merci à vous.